caractérise d'être dans la maison du Père. Amen. C'est le meilleur endroit où un homme devrait être aujourd'hui matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous commencerons à partir du verset 10. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Vous entendez la position qui vous attend, hein? Amen. Quand vous avez une petite persécution et vous commencez à vous lamenter. Si vous n'avez pas de persécution, donc vous n'attendez pas les royaumes. C'est ça. Tout le monde qui s'attend au royaume, vous ne pouvez pas servir Dieu sans persécution. Amen. 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 Il vous donne les royaumes, mais il y a un lot qui vous accompagne. C'est vrai. Soyez heureux. Amen. 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 Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Alléluia. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Amen. Que votre récompense, car votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. C'est vrai. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Prions le Seigneur. Et notre Père céleste, nous nous réjouissons, ô Dieu, d'entendre cette belle parole. L'enseignement du Maître, Jésus-Christ et toi-même. Ô Dieu, si tu pouvais simplement encore nous ouvrir l'intelligence, une intelligence spirituelle, ô Dieu, afin que nous comprenions que lorsque quelqu'un parle en mal de nous faussement, cela est une preuve même que nous sommes tes enfants. Amen. Et donne-nous quelle attitude nous devons prendre par rapport à ça. Parce que tu as donné, ô Dieu, tout un ensemble de choses, une leçon pour ceux à qui le royaume appartient. Et comment ils doivent se tenir. Car c'est à travers, ô Dieu, ces choses même et la manière dont ils réagiront qui prouvera de quel côté ils se tiennent. Amen. Nous voulons te remercier, Père Céleste, parce que nous sommes un peuple béni. Amen. Ô Dieu, et nous savons qu'il y a des choses qui sont difficiles à supporter, mais tu changes les êtres humains. Amen. Tu en as le pouvoir et la capacité. Amen. Nous te prions, Seigneur, d'être au milieu de nous, de nous conduire en toutes choses. Bénis notre pasteur, bénis tous les fidèles qui viennent ici, Seigneur. Bénis tous nos bien-aimés et l'épouse à travers le monde entier, Israël, ton peuple. Que ta grâce repose sur nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais comme l'introduisait le pasteur tout à l'heure, c'est vraiment un chapeau. Hein. Chapeau pour notre pasteur, parce qu'il a tenu pendant des mois et des mois tout seul. Hein. Il devait prêcher plusieurs services par semaine et compagnie, ça n'a pas été facile du tout, parce que c'était un travail éprouvant. Mais à côté de cela, je crois qu'en fait, les prières que vous faites jour après jour l'ont fortifié
et le Seigneur nous a aidés tous ensemble. Amen. Je rendais grâce au Seigneur aussi pour sa bonté et sa bienveillance envers nous. Parce que nous avons été au contact de beaucoup de choses, hein, vous voyez, des gens qui étaient atteints de maladies, hein. Et nous avons vu comment les gens ont souffert, et comment beaucoup de choses sont arrivées. Mais Dieu a épargné toutes nos familles. Amen. 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 Dieu nous a épargnés. Donnons une main d'acclamation au Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose d'exceptionnel qui a fait qu'on puisse mériter cela. Mais c'est Dieu qui a fait cela pour nous. Et nous voulons en tout cas lui être reconnaissants. Amen. Et nous croyons que le même Dieu qui nous a gardés, même si on parle qu'il y a des vagues qui viendront, ce Dieu-là n'a pas changé. Amen. 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 Même s'il y aura des vagues, il y aura tout ce qu'on dira. Ce que je vous demanderai, c'est que nous devons tous respecter ce que les autorités disent. Ce que les autorités décrètent, vous devez tous respecter cela. Parce que la Bible nous impose aussi une soumission aux autorités. Ils ont décidé que nous devons tous porter un masque quand on est dans les lieux publics. Mais le ministre, quand il prêche, il paie de ne pas avoir les masques. Amen. Amen. Respectez les règles de distanciation sociale. Lavez-vous les mains autant de fois que possible. Faites tout ce qui vous a été demandé. Parce que Dieu aime évidemment que le respect soit observé aussi par ses enfants. Il dit, les magistrats, c'est lui qui l'a établi là-bas. Les autorités, c'est lui qui, les a établis. Hein? Donc nous devons respecter tout cela. Et ce que je vous disais, on donne à César ce qui est à César et on donne aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Parce que nous savons que quoi que l'on fasse, Dieu est au contrôle de tout. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ contrôle tout. Amen. Et lorsque vous lui faites confiance, Dieu ne peut pas... Vous ne pouvez pas être confus. C'est ce que la Bible dit. Vous attendez à lui, vous lui faites confiance. Dieu vous montrera et vous prouvera que vous méritez, qu'il mérite la confiance que vous lui faites. Amen. 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 Il y a des gens qui lui ont fait confiance tout au long de l'histoire. Oui. Et nous savons que même face à la mort, Dieu est descendu, Dieu les a défendus. Amen. Amen. Daniel était dans la fosse au lion. Il était là-bas. Il a été poussé, mis à l'épreuve d'une manière ou d'une autre face à la mort. C'est lui qui peut nous défendre valablement face à la mort, c'est Jésus. Amen. Il l'a fait d'une manière ou d'une autre, il le fera encore. Amen. 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 C'est de lui que nous voulons parler ce matin. Amen. Amen. Vous allez bien? Amen. Détendez-vous dans la présence du Seigneur. Priez pour moi. J'ai besoin aussi de vos prières. Amen. J'ai besoin aussi que vous me souteniez dans la prière. Amen. De manière à nous permettre d'aller tous ensemble. Amen. 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 Parce que nous attendons tous à la grâce de Dieu. Amen. Parce que cet endroit-ci, quand tu arrives ici, ça c'est le trône ici. Amen. 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 Et donc devant le trône de Dieu, on a tous besoin de la grâce divine. Alors, donc, le titre de l'exhortation que j'aimerais vous donner, c'est juste la parole du Seigneur là qui disait, en prêchant ses sermons sur la montagne, en prêchant, en parlant des béatitudes. Donc là, il parlait aux bienheureux. Amen. Hein? Amen. Il parlait aux bienheureux. Hein? Les gens à qui les félicités sont réservées. Amen.
le bonheur parfait. Amen. Amen. Et c'est vous, c'est à vous et c'est à moi. Amen. Amen. Et donc il leur disait, bienheureux, soyez heureux. Amen. Lorsque vous serez persécutés, il y a cause de la justice. Ne souffrez pas pour les injustices. Amen. En fait, quelqu'un qui subit la persécution, c'est quelqu'un qui est traité injustement. Amen. C'est qu'il n'a pas fait, qu'il ne mérite pas. Il est traité injustement. Il est harcelé. Donc, mais c'est pour la justice. Tu défends une cause juste, mais tu es traité injustement. Et la cause juste que nous défendons ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand tu prends position pour la parole de Dieu, Jésus veut que vous sachiez que le monde ne sera pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes évidemment dans une autre dimension que le monde. Vous voyez les choses et vous les percevez différemment que le monde. Et quand vous défendez la justice, alors les persécutions viennent parce que, en fait, l'homme aime toujours, si il te dit des choses qui ne sont pas justes, il aime que tu prennes position pour lui. Et que vous marchiez, vous parliez ensemble la même chose. Hein? Et alors, en ce moment-là, tu es son ami. Mais ose lui dire, hein? Dis-lui non, c'est pas comme ça qu'il faut faire là. Il faut marcher autrement, tu deviendras son ennemi. Amen. Tu deviendras son ennemi. Et alors, s'il peut trouver tous les moyens pour te détruire, oui, ça c'est ce que la politique fait. Oui, exactement. Exact. Vous savez ça? Amen. Il va chercher tous les moyens pour te détruire. Ouais. Ils ont fait ça avec Daniel. Ouais. Qu'est-ce que Daniel avait fait? Rien. Lui, il faisait une chose juste. Ouais. Il priait son Dieu. Dieu l'avait béni. Il avait l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu sur lui. Amen. Il était aimé de Dieu. Et quand Dieu t'aime, amen, même s'il y a des milliers de gens qui te détestent, ne t'en fais pas. Amen. Dieu sera toujours de ton amen côté. Amen. Et quand tu es du côté de Dieu, tu es du bon côté. Amen. Alors les complots s'étaient mis en route. Ils avaient mis un complot en route pour et empêcher Daniel de prier. C'est ça. Frère, alléluia, sachez que ça, ce sont des esprits qui ont existé. Et vous croyez que ces esprits n'existent plus encore aujourd'hui? Ces esprits sont toujours là. Ils vous empêcheront de prier. Amen. Ils vont vous empêcher de prier d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais vous rappeler que même ici par les confinements et autre chose, que ceci ne vous refroidisse pas. Nous aimerions que toutes les occasions soient bonnes pour que le nom de Jésus soit annoncé. Trouvez toutes les occasions pour être fortifiés. Amen, amen. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ont profité de ces confinements pour se ressourcer. Parce que comme je disais, en parlant avec les frères Béni, en parlant avec d'autres frères, ils disaient, mais nous nous plaignons souvent que nous n'avons pas le temps. Nous courons et nous courons et nous courons. Ici, Dieu nous a donné le temps. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait du temps que Dieu t'a donné? Amen. Ce temps-là, tu devais mettre ça à profit. Parce que le diable fera toujours tout pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de faire, de te comporter d'une manière correcte, pour être juste. Et alors, en ce moment-là, ce que tu dois faire, c'est de te lever et de prendre les armes. Amen. Et notre arme, c'est la parole de Dieu. Et aller de l'avant. Et donc, on a tout fait. Créer des décrets. Faire prendre le roi au piège. Pour qu'il signe des décrets, des choses, pour empêcher Daniel de prier. Bon, on a dit, mais maintenant, il faut qu'on trouve cela, qu'on trouve la chose même dans, sa, dans les propres paroles. Et comme ça, en ce moment-là, on verra comment il fera. Mes frères, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que personne ne vous empêche de prier. Amen. Si quelqu'un vous empêche de prier, trouvez-vous une occasion, allez prier. Hein?
Parce qu'il y a une promesse qui a été donnée lorsque vous allez tourner les regards vers les lieux où le temple est construit. Alors, peu importe là où Dieu se trouve, même si vous êtes en esclavage, même si vous avez été pris dans le piège, sachez que Dieu va regarder là où vous êtes et Dieu se souviendra de vous. Amen. Même si vous êtes tombé dans le péché, ne restez pas là. Amen. Tournez les regards vers Dieu, priez Dieu, Dieu se souviendra de vous. Amen. Alors, on vous persécutera. Et quand la persécution vient, c'est dans le but d'empêcher l'enfant de Dieu de continuer à avoir sa relation avec Dieu. Et c'est à cause de la justice. Ne souffrez pas, la Bible dit, ne souffrez pas pour des choses injustes. Hein? Si vous souffrez pour des choses injustes, alors en ce moment-là, vous le méritez. Vous mériterez la persécution. Mais si vous souffrez pour une cause juste, restez tranquille. Amen. Amen. Tenez-vous tranquille. Dieu est Dieu, Dieu prendra position pour vous. Et il dit, resserrez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Amen. Hein? En fait, il vous donne l'attitude à prendre. Amen. En parlant mal de vous, vous vous réjouissez. Ah oui. Et ça, nous avons vu la persécution, parce qu'en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la persécution, quand elle vient pour vous élever. Amen. Elle vient pour accomplir la parole de Dieu. Amen. Vous savez ça? Elle vient pour accomplir la parole de Dieu. Parce que si la persécution ne s'était pas élevée au temps des apôtres, mais l'évangile n'aurait pas été répandu. C'est ça. Parce que quand la persécution s'était élevée, alors les uns sont partis à Samarie, les autres sont partis à gauche et à droite, et l'évangile a été répandu conformément à la parole du Seigneur. Il disait, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et c'est là où ils ont commencé à prêcher. Et la persécution est arrivée. Après, ils ont été répandus. Et puis à Samarie. Et c'est là que Philippe est allé, il a prêché l'évangile. Et puis comme ça, l'évangile s'est répandu conformément à ce que Dieu avait dit suite à la persécution. Amen. J'espère que les enfants de Dieu me suivent. Ça, c'est la vérité. Amen. Vous comprenez ça? Lorsque la persécution vient pour un enfant de Dieu, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il faut tout simplement rester tranquille. Amen. Et c'est ça. Il a les œuvres de la foi. Parce que j'aimerais continuer un petit peu sur la foi. Amen. Les œuvres de la foi. Parce que le signal a été donné, nous voulons suivre la direction. Amen. Une foi, ou la foi sans œuvre, est une foi morte. Amen. Et la foi victorieuse amène toujours au résultat. Amen. La foi parfaite, c'est la foi qui produit des œuvres. C'est vrai. Amen. Je vais vous lire, frère Branham, ici dans cette prédication, donc. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Votre lumière. Je disais ici vendredi qu'en fait, quand je lisais cette écriture, il y a quelque chose qui m'avait personnellement intrigué. Et je lisais ça pour moi. Ce n'est pas pour aller prêcher. Et je crois qu'en fait, la parole de Dieu, on doit la lire pour soi. Amen. 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 C'est pas pour aller prêcher. Amen. Hein? Parce que je voyais, c'est dans Jean 1, où on parle de Jésus-Christ, la lumière, et puis on arrive quelque part là au verset 9 qu'on avait lu ici vendredi, où la Bible dit que Jean, oui, que Jean n'était pas la lumière. Amen. 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 Jean n'était pas la lumière. Alléluia. Et on dit de Jésus que Jésus était la vraie. Oui, amen. 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 Vous croyez que Jésus est la vraie lumière? On dit qu'il est la vraie lumière qui vient dans le monde. Oui. Et quand cette lumière vient dans le monde, elle éclaire les hommes. Amen. Et on dit que cette lumière était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Que cela ne soit pas pour nous, hein? Que cela ne soit pas autant pour nous.
Parce qu'autant d'histoire, nous aussi, nous avons reçu la lumière. Amen. Et nous savons que lorsque vous recevez la lumière, comme la Bible dit, la lumière est allée chez le sien, les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas ceux qui sont nés de la chair. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Amen. En fait, souffrez que votre témoignage soit le témoignage que Dieu donne. Amen. Que ton témoignage soit le témoignage que Dieu donne. C'est mon fils. Amen. Parce qu'on dit le témoignage de Dieu est plus grand Amen. Que le témoignage des hommes. Amen. Mais Jésus vient et il introduit quelque chose qui m'a un peu troublé. Amen, amen, amen. Parce que Jésus vient et il dit que votre lumière luise. Amen. J'ai dit, mais enfin, j'ai lu que Jean qui étaient les précurseurs. On dit de tous les hommes qui sont nés sur la terre, il n'y en a pas un qui était comparable à Jean. Mais on dit qu'il n'était pas la lumière. Mais Jésus lui-même, qui est la véritable lumière, vient et dit que votre lumière luise. Seigneur, je suis troublé. Je ne comprends pas. Amen. Je ne comprends pas. Que votre lumière luise. Et il dit encore que votre lumière luise devant les hommes. Amen. Amen. Que votre lumière luise devant les hommes. Afin que les hommes voient vos œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient Dieu. Qu'ils disent, oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué d'avoir fait de telles choses sur la terre. Que Dieu soit loué d'avoir donné de telles capacités aux hommes. Que Dieu soit loué d'avoir changé une femme. Que Dieu soit loué d'avoir converti une personne. Amen. Amen. Dieu est capable de faire des choses. Amen. Il dit que votre lumière luise. Oui. Il dit, mais est-ce que, comment est-ce que moi, ma lumière va luire, alors que même Jean n'avait pas de lumière, n'était pas la vraie lumière. Qu'est-ce qui se passe? Amen. 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 Votre lumière luise devant les hommes. Je disais tout à l'heure que Dieu regarde. Il regarde à ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Ici, Jésus lui-même demande que vous devez vous inquiéter de ce que les hommes aussi vont dire de vous. De vous. Vous comprenez? Amen. Hein? Amen, amen. Il ne faut pas vous dire, oh, moi j'ai pris Dieu, je suis un homme consacré, tu vas aller dans la prière faire des jeûnes. Mais tu ne t'inquiètes pas du comportement que tu vas adopter envers les hommes. Amen. Amen. Il faut que vous ayez un bon témoignage Amen. Auprès des hommes. Le témoignage que vous allez laisser auprès des hommes, ce témoignage-là va faire évidemment que tout cela soit fait pour la gloire de Dieu. Occupez-vous de ça. Amen. Qu'est-ce qu'on dit de moi quand je parle? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Les hommes. Hein? Quand je marche, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les hommes. Hein? Quand je me comporte, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les hommes. Parce que là, frère Branham va aller plus loin pour nous apporter tout un enseignement sur les panneaux publicitaires. Amen. Que nous sommes des panneaux publicitaires. Amen, amen. Alors, donc il parle là des œuvres. Que vos bonnes œuvres, quand les gens vont le voir, ils vont glorifier Dieu. Je vais vous lire, frère Branham, maintenant. Dans cette prédication, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Est-ce que vous allez bien? Amen. Je crois que l'heure qui est là, ah oui, l'heure est bonne. Oui. Ok. Je vais essayer de prêcher de manière à ne pas vous garder indéfiniment. Amen. Je ne dirai pas, ça fait 5-6 mois que je n'ai pas prêché, je vais récupérer les retards. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la maison du Père. Amen. Et nous parlons tout simplement entre nous, avec d'un cœur ouvert Amen. Et d'une manière décontractée. Amen. 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 Dans la maison du Père, on se donne des petits conseils, des choses qui viennent, qui sont puisées ici, Merci, du miel. Amen. Amen. Et donc,
Frère Branham dit ceci dans cette prédication donc, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, prêché le 3 septembre 1161, au paragraphe 32. Il dit, nous trouvons dans les Écritures ici qu'il y a deux endroits où deux personnes différentes qui parlent ainsi de la justification. Amen. Amen. L'une d'elles est Paul et l'autre est Pierre. Bon, j'avais dit Jacques le vendredi et je vous dirai pourquoi est-ce que j'ai dit Jacques. C'est parce que vous allez comprendre qu'en fait, et ce que vous devez comprendre, c'est comme ça vraiment que les gens sont parleraient n'importe quoi et des choses sont peut-être faites à propos pour la perdition de certaines personnes. Parce que tous les contenus des choses que Frère Branham va parler ici, il va prendre les textes de Jacques. Oui, c'est vrai. Mais il dit, il s'est parlé dans deux endroits. Ce qui m'importe ici, que ça vienne de Jacques, que ça vienne de je ne sais pas qui, ce que j'ai besoin, c'est du contenu. Amen. Amen. Exact. Ce que j'ai besoin, c'est du contenu. De quoi il parle? Amen, amen, amen. Parce que je vais vous le lire. Et donc, il dit, l'une d'elles, c'est Paul, et l'autre, c'est Saint-Pierre. Il dit, Paul, justifia Abraham par la foi. Amen. Et Pierre par les œuvres. Amen. Amen. Il y a l'un qui justifie Abraham par la foi. L'autre, à un autre endroit, va les justifier par les œuvres. Amen. Mais est-ce qu'il y a des contradictions dans la parole? Non. Il n'y en a pas. Et c'est tout ce que le prophète va mettre ensemble ici pour nous montrer le chemin. Amen. Amen. Parce qu'une personne mal affermie va tordre le sens des Écritures parce que soit elle ne comprend pas, ou soit il va l'interpréter à sa façon. Amen. Donc, je vais prendre un peu avec vous ici, juste un peu la justification par la foi, selon l'apôtre Paul. Prenons dans Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4. Oh, l'apôtre Paul, il a parlé abondamment de la foi. Romains chapitre 4. Commençons à partir du premier verset. Il dit, que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet à se glorifier. Vous comprenez? C'est ça le problème. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet à se glorifier. Mais non, non devant Dieu. Vous comprenez? Alors, il poursuit en disant, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, c'est lui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. C'est la vérité. Amen. Si maintenant, moi, je travaille, j'ai travaillé, j'ai mérité mon salaire. Vous allez me parler de la grâce? Non, j'ai travaillé, j'ai bossé. Si je travaille, on me paye mon salaire. Donc, ce que j'ai fait, mon salaire, c'est quelque chose qui m'est dû. Amen. 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 Mes frères, dites-moi qu'est-ce que vous allez faire, vous, comme moi, pour mériter le salut? Rien. Parce que le salaire du péché, c'était la mort. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Il n'y en a pas même une seule personne qui pouvait prétendre, qui pouvait lever son doigt pour dire, moi je suis saint. Et il n'y a personne qui pouvait venir à la place de l'autre. Amen. Nous étions tous condamnés et perdus. Amen. Amen. Il n'y a personne qui peut dire, j'ai fait quelque chose ici, je mérite d'être sauvé. Le salut que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entièrement une œuvre de la grâce de Dieu. Amen. C'est une œuvre de la grâce de Dieu. Le salut que nous avons aujourd'hui n'est pas quelque chose de méritoire. Je ne vais pas dire aujourd'hui, parce que je vais prêcher l'évangile, que je suis sauvé. Non. Amen.
Nous sommes sauvés par grâce. Et c'est grâce sur grâce, frère. Nous étions tous perdus depuis le jardin d'Éden. Depuis le premier homme, Adam. Quand Adam a transgressé la loi de Dieu, il est tombé, il était séparé de Dieu et il était dans la mort. Et vous savez que lorsque nous marchons selon la transgression, nous savons que nous sommes éloignés de Dieu. Amen. Il a fallu que Dieu, dans sa grâce, puisse lui-même descendre de la gloire et qu'il vienne sur la terre comme il a fait dans le jardin d'Éden en criant « Adam, Adam, où es-tu ? Adam, Adam, où es-tu ?» Parce que ça, c'était entièrement la grâce, de manière à ce que, suite ou grâce à l'amour de Dieu pour nous, il ne voulait pas nous perdre. Et c'est comme ça qu'il est descendu lui-même, il a cherché après nous. Adam, Adam, où es-tu? Et il vient encore ce matin pour te dire, Adam, Adam, où es-tu? Regarde là où tu es, toi qui es perdu. Regarde toi qui étais devenu errant. Parce que l'homme était devenu errant dans le jardin d'Éden. Il était devenu vagabond. Alors, et il peinait à pouvoir retrouver le chemin qui conduisait dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu avait placé des anges pour empêcher l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie. Amen. Étant donné qu'il avait lui-même refusé de manger à l'arbre de vie, parce qu'il a mangé à l'arbre des connaissances. Amen. Amen. Et c'est là où je vous dis, frère, ce qui nous importe, ce n'est pas de manger à l'arbre de la connaissance. Ce n'est pas de dire « nous connaissons les messages ». Ce n'est pas de dire, nous connaissons les citations. Dieu a besoin que nous mangeons à l'arbre de vie. Amen. Et l'arbre de vie, c'est Christ. Amen. Et quand tu manges à l'arbre de vie, il te dit, on reconnaît l'arbre par ce fruit. Amen. Vous savez que je mange à cet arbre, parce qu'on sait c'est que le fruit que cet arbre produit. Nous sommes ensemble. Amen. Frères, le message, et le message, nous aimons le message. Et nous sommes tous ici pour le message. Mais frère, il faut que le message ici a été envoyé pour apporter la vie. Amen. Jésus dit, je suis venu dans le monde pour vous apporter la vie. Je suis venu pour vous donner la vie. Et je donne la vie en abondance. Amen. 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 La parole, c'est pour la vie. Amen. Amen. Donc là, Dieu dans sa grâce est descendu et a cherché Adam. Adam, où es-tu? Parce qu'Adam s'était enveloppé de faits de figuier. Amen. Amen. Sa propre justice. C'était sa propre justice devant Dieu. Hein? Juste. Là, il se persuadait qu'il était juste. Frère, nous savons qu'en fait, ce n'est pas ce que nous faisons. Amen. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous justifient. Amen. Mais c'est le sacrifice de Dieu lui-même, Amen. C'est l'amour de Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui nous a rachetés. Amen. Amen. Donc l'œuvre, quand tu fais une œuvre, cette œuvre-là, tu fais quelque chose, si c'est suite à ce que tu as fait, ça c'est méritoire. Et donc ça c'est quelque chose qui t'est dû. Donc on ne peut pas parler de la grâce en ce moment-là. C'est ce que l'apôtre de Paul veut nous dire ici. Amen. Il dit, c'est lui. Mais au verset 5, il dit, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. » Amen. Et c'est qui justifie l'impie? Dieu. Amen. Amen. Donc, ayez foi en Dieu, frère. Amen, amen, amen. En toute chose, nous devons avoir foi en Dieu. Mais si tu as foi, tu crois. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie? Sa foi lui est imputée à justice. Merci Seigneur. Amen. 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 Qu'est-ce que nous allons faire qui pourra nous justifier sinon l'œuvre que Dieu a lui-même faite à travers Christ. Amen. Amen. Dans l'humilité, dans la simplicité. Et ayez tout simplement foi. Dieu m'a sauvé. Amen. Parce que frère Branham dit, ce n'est pas parce que vous venez aujourd'hui à l'église que Dieu vous a sauvé ici aujourd'hui. Amen. Tu viens ici croyant que Dieu t'a sauvé. Amen. Depuis longtemps, Dieu t'a sauvé. Tu es une personne sauvée. Amen. La même chose pour une personne qui est malade. Quand tu viens ici, sache que Dieu t'a déjà guéri. Amen. 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 Tu viens ici. Amen. Tu viens ici. Nous venons ici pour vous répéter. Parce que merci, quand on est dans le monde,
l'esprit est obscurci. C'est vrai. Notre intelligence est obscurcie. Et ici nous venons, nous annonçons la lumière pour vous rappeler ce qui nous appartient. Amen. 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 Dieu nous aime, frère. Amen. Parce que le plan de Dieu envers nous était beaucoup plus grand que ça. Amen. Non seulement qu'il devait mourir pour le coupable, merci Seigneur, mais il devait prendre sa propre vie, Zoé, amen, et placer dans le coupable. Amen. De manière à ce que lui-même Dieu vive dans l'homme. Amen. Pour que là où l'homme marche, l'homme, au fait, Dieu que nous cherchons, nous l'avons lu vendredi ici. Frère Branham dit, vous cherchez Dieu au ciel? Hein? Vous cherchez Dieu au ciel, le ciel c'est pour vous. Hein? Le Dieu que vous cherchez, mais Dieu est en vous. Amen. Amen. Dieu est en vous. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il a Dieu en lui. Amen. Amen. Et non seulement qu'il a Dieu en lui, mais Jésus lui-même disait, n'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible que vous êtes des dieux? Amen. Vous, celui à qui la parole de Dieu est venue, est Dieu. Amen. Comment est-ce que cette chose ne devrait-elle pas nous positionner, nous aujourd'hui, les enfants de Dieu? Pour que lorsque les événements arrivent, les circonstances arrivent, les situations arrivent, quand nous marchons sur le chemin, Amen. Je m'en fous et je ne m'inquiète pas de ce que les gens disent. Amen. 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 Vous devez savoir que c'est Dieu qui marche sur la terre. Amen. Et c'est Dieu est en vous. Amen. Vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Lorsque vous avez la portion de l'Esprit de Dieu en vous, vous marchez sur le chemin sans peur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham disait, l'Esprit qui a créé toutes choses, mm-hmm, comme nous l'avons lu vendredi, a créé toutes choses. Il a tout créé, même les démons. Mm-hmm. Amen. A tout créé. Parce que la Bible déclare que tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Amen. Et une portion de ce Dieu se trouve en vous. Vous êtes une partie de lui. Amen. Donc vous marchez, je marche, je sais que rien ne me fera du mal. Amen. Amen. Non seulement que rien ne me fera du mal, mais je sais que j'ai le pouvoir de commander. Amen. 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 J'ai le pouvoir de commander. C'est vrai. Parce que ce pouvoir qui a commandé, qui a dit que la lumière soit, se trouve en vous. Amen. 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 Je crois que je parle à un enfant de Dieu. Amen. Amen. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Parce que nous sommes arrivés, frère. Sachez que comme vous voyez le monde là, comme le Seigneur lui-même l'avait annoncé, nous allons passer, traverser des zones de turbulence. Amen. Amen. Nous allons traverser des zones de turbulence. Et il faut que votre ancre soit arrimée. Amen. 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 Et comme disait encore l'apôtre Paul, il faut que ton ancre soit arrimée là, derrière le voile. Amen. Amen. C'est derrière le voile là-bas que ton ancre doit tenir là, ouais, derrière le voile. Ouais, ouais. De manière à ce que lorsque la turbulence viendra, je sais que mon ancre tient. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que le Dieu à qui je parle se trouve en moi. Amen. 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 Le Saint-Esprit qui est le Dieu à qui vous parlez. Mm. Je disais vendredi ici, oh, quelqu'un demandait à Frère Branham où se trouve. Mais Jésus, quand il parlait à Dieu, Dieu se trouvait où? Amen. Dieu se trouvait où? Amen. Mais il était en lui. Amen. Et sachez que quand un chrétien prie, le Dieu à qui tu pries se trouve où? Amen. Il est en moi. Amen. Et c'est là où se trouve l'adoration païenne. L'adoration païenne, c'est quelqu'un qui adore sans le Saint-Esprit. Amen. C'est une adoration païenne. L'adoration, véritable adoration, l'autel que Élie est venu restaurer ici. Pour que nous ayons une véritable adoration. Amen. Une véritable adoration. Élie est venu restaurer l'autel. Pour que nous ayons une véritable adoration. Et Élie qui est venu restaurer l'autel, vous savez, quand il avait fermé les cieux, il leur avait dit, après quand il a restauré l'autel, il a dit, prenez 12 pierres. Mettez les 12 pierres ensemble. Amen. Et après, vous mettez les sacrifices. Il y avait les eaux et tout ce qu'on devait mettre et les sacrifices. Amen. Amen. C'est quelque chose d'important. Je l'ai introduit comme ça. Même si je ne devais pas parler de ça. Mais Frère Branham dit, les 12 pierres
ce sont les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, pour que l'adoration soit restaurée, il faut qu'il y ait la communion. Vous voyez? Il faut qu'il y ait la communion. Il faut qu'il y ait la communion. C'est comme ça que je parle toujours de ça tous les jours, frère. Dites-moi dans une maison où les gens sont divisés dans une maison. Dans un foyer où quelqu'un, la femme est à gauche, l'homme est à gauche, telle personne va à droite, l'autre va à gauche. Vous allez me dire qu'évidemment, le Saint-Esprit va vous visiter. Non! Ils étaient d'un commun accord à Pentecôte. Il a fallu qu'ils soient ensemble, qu'ils soient d'un commun accord. Commencez d'abord par restaurer une atmosphère d'unité, que l'unité soit là. Alors, vous allez voir, je vous ai lu ça vendredi ici, où frère Branham dit, mais quand il y a l'unité, il dit, là, le Saint-Esprit va vous visiter. Vous voyez? Parlez ensemble. Après tout, que ce soit les gens qui prient ensemble, que ce soit les gens qui sont ensemble dans une maison, nous ne sommes pas dans une compétition. Amen. Nous ne sommes pas dans une compétition. Nous sommes là pour qu'un peu de feu ici, un peu de feu là, un peu de feu là, que tout cela soit mis ensemble pour qu'il y ait un grand feu qui soit allumé. Une communion, frère. Si tu es une femme avec ton mari à la maison, avec tes enfants, il faut qu'il y ait l'harmonie pour que le Saint-Esprit soit là, descendu. Vous ne pouvez pas immoler les sacrifices et les mettre sur l'autel s'il n'y a pas d'abord la constitution là de l'autel. Les conditions, cette harmonie est indispensable. Amen. Soyez ensemble, en unité, une communion d'esprit, une seule même âme. Et soyez ensemble, vous allez voir. Frère Branham dit, vous verrez que Dieu vous visitera. Parce qu'ici on disait, il faut tout nettoyer, nettoyer. Hein? Dieu nous a dit, il faut nettoyer. Il faut que chaque personne retourne chez lui, qu'il regarde ce qui ne va pas pour nettoyer. Nettoyer ça, nettoyer ça. Bon, la communion. Bon, est-ce que ça... Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas la communion? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on ne parlait pas... qu'on ne parlait pas le même langage, qu'on ne va pas dans la même direction. Est-ce que c'est la parole de Dieu? La parole de Dieu est là. La seule chose qui peut unir un foyer, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? C'est la parole de Dieu. Que chacun renonce à ses prétentions personnelles, que chacun renonce à quoi que ce soit, et qu'on dise, la parole de Dieu, là, qu'est-ce que la parole de Dieu exige? Et nous nous inclinons tous devant la parole de Dieu, alors en ce moment-là, nous parlons la même chose et nous allons de l'avant. Amen. Dieu nous visitera parce qu'il y a des principes. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors donc, je reviens sur mon texte ici. Dans Romains donc, au verset 6, il dit de même que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. La foi fut imputée à justice à Abraham. Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire là? Amen. Je viendrai sur la deuxième partie des œuvres, ça vient après. Amen. Amen. Il faut que chaque personne ici mette dans sa tête que si tu es sauvé aujourd'hui, si Dieu doit marcher avec toi, il ne faut pas regarder à tes mérites. Amen. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu as mérité ça que tu mérites ça. Il ne faut pas si un jour, d'une manière ou d'une autre, tu arrivais à un endroit où tu étais coincé, que le diable te mette là par terre. Il ne faut pas penser que non, parce que tu es là, Dieu va dire, bon maintenant, écoute mon ami, tu ne peux plus marcher avec moi. Non. Un enfant de Dieu se lève, il confesse, il va de l'avant. Amen. Ce que je disais le vendredi, c'est que la chose qu'on n'entend plus ou qu'on entend rarement maintenant parmi les hommes, c'est quelqu'un qui s'humilie, qui dit j'ai tort dans ce que j'ai fait. Je crois que j'ai tort dans ce que j'ai fait ici. Pardonne-moi, allons-y, allons de l'avant. Ça devient, on est tous. C'est comme si. Les rapports des forces. Bon, c'est ça, l'esprit de compétition, comme je disais. Tu vois? Il n'y en a pas dans la parole de Dieu. Dieu veut l'humilité dans le cœur. Il veut une personne humble qui s'humilie devant lui pour aller. Et sachez que Dieu regarde à votre cœur et la disposition qui se trouve là-dedans. Et donc, ce ne sont pas les œuvres
œuvre qui justifie ici, d'après l'apôtre Paul, et il ne va pas contredire notre ami Jacques, parce qu'il parle de la même chose, mais c'est une progression, frère. Amen. Amen. Donc, sache, tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai tout obtenu par la grâce. Amen. Si je mange par la grâce de Dieu. Amen. Si je m'habille par la grâce de Dieu. Amen. Si j'ai l'eau par la grâce de Dieu. Amen. Si je respire par la grâce Amen. De Dieu. Amen. Vous vous rendez compte, maintenant vous devez respirer avec un masque. Hein? Alors que Dieu vous a donné la liberté. C'est là où vous voyez, évidemment. Et je pense que les enfants de Dieu, pères, doivent se mettre ensemble. Amen. Et consulter Dieu par rapport à tout ça. Amen. Nous devons demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut par rapport à ça. Quel est le message que Dieu veut nous transmettre par rapport à ça. Amen. Amen. Demandons au Seigneur quelle est sa volonté par rapport à toutes ces choses. Et si nous pouvons un jour, d'une manière ou d'une autre, organiser, ou d'une manière ou chacun chez lui, mais que nous puissions demander au Seigneur vers où il veut nous conduire. Parce qu'au milieu de tout ça, masque ou pas masque, nous savons une chose, c'est que Dieu nous garde. Amen. C'est que Dieu nous protège et c'est Dieu qui nous conduit. Amen. Mais vers où il veut nous conduire, que Dieu nous révèle sa volonté et qu'il nous dise vers où il veut nous conduire. Voilà. Parce qu'en chaque chose, il faut que la gloire de Dieu soit révélée. Amen. Vous voyez ça? Il dit, quand donc fut-il imputé à justice? Je suis au chapitre 10, pardon, au verset 10. Quand donc lui fut-elle imputée? Est-ce d'après ou avant sa circoncision? Vous voyez comment l'apôtre Paul veut aller jusque dans les détails. Est-ce c'était avant ou après sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham était encore un païen, ce qu'on appellerait un païen aujourd'hui. Amen. Un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit. C'est ça. Mais simplement quand il a fait confiance au Seigneur, il a dit, bon, je me confie entre tes mains, Seigneur, je crois ce que tu me dis, Dieu l'a regardé comme une personne juste. Amen. 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 Donc vous devez commencer par là. Commencez par là, faites-lui confiance. Oh, je t'ai dit, toi qui es ici, au milieu de tous les péchés dans lesquels tu peux être, au milieu de tout ce que tu peux être, fais confiance au Seigneur et dis-lui. Parce que ce que nous allons essayer ici de montrer à travers le message du prophète, c'est que lui-même va allumer la lumière. Amen. Amen. Lui-même, il va allumer la lumière. Amen, amen, amen. Mais il faut que là où tu te trouves, que tu apprennes à lui faire confiance. Amen. Fais-lui confiance. Tu es circoncis. Tu es dans l'état dans lequel tu es. Tu as le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Tu iras encore de remplissage en remplissage. Parce que quand il n'y a pas de contact entre lui et vous, la lumière viendra d'où? Elle ne viendra de nulle part. Et ce n'est pas pour rien que Jean avait dit, et il avait raison de le dire. Il dit, la lumière, ce n'est pas moi, mais la lumière, c'est lui, la véritable lumière. Amen. Mais lui, la véritable lumière, il vient vous dit, bon, que votre lumière brille. Amen. Comment est-ce que je vais le faire? Amen. C'est ce qu'il veut nous montrer. Nous sommes ensemble? Amen. Donc, il était incirconcis. Il était encore incirconcis. Et, au verset 11, il reçut les signes de la circoncision comme un sceau de la justice Amen. Qu'il avait obtenu par la foi. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est là, c'est ça la chose. Parce qu'il avait fait confiance au Seigneur. Et Dieu par la suite a donné à Abraham un sceau. Le Saint-Esprit comme on l'appellerait aujourd'hui. Tu fais confiance au Seigneur? Alors, Dieu va marcher avec toi, tu vas marcher avec le Seigneur, tu lui fais confiance. Alors, en ce moment-là, il faut que tu sois attentif pour écouter les instructions. Parce que, évidemment, comme je lisais ici un paragraphe le vendredi de Frère Branham, et c'est ça que j'avais mis ici au tableau, parce que vous allez voir qu'en fait, la source, comment est-ce qu'on obtient la lumière, il y a deux choses.
Comment est-ce qu'on peut obtenir la lumière? La première chose, c'est que soit une source propre va donner sa lumière. Et la source propre qui peut donner la lumière, on a pris un exemple, le soleil. Et nous savons que Dieu lui-même est représenté, typifié par le soleil. Et nous avons aussi lu qu'il y a une autre source qui n'est pas... On obtient la lumière non pas de la source, mais du reflet. C'est-à-dire quelque chose qui n'émet pas en soi la lumière, Amen. Mais quelque chose qui reflète la lumière. Amen. Amen. Et ça, c'est la lune. La lune, c'est quelque chose qui ne fait que refléter la lumière. Amen. C'est-à-dire que la lune n'émet pas de lumière en soi. Ce n'est pas une source de lumière. Et l'Église est typifiée par la lune. Amen. Parce que je vais pas revenir, sinon je n'avancerai pas si je revenais sur tout ce qu'on avait dit vendredi. Mais donc, l'Église est représentée par le soleil. Pardon, par la lune. Dieu par le soleil. Amen. Et donc, le soleil doit se trouver à une certaine position par rapport à la lune. Et vous savez qu'en fait, la lune, qu'est-ce que le soleil fait? En fait, on nous apprend par la science que la Terre tourne autour du Soleil, n'est-ce pas? Oui. Et la Terre tourne aussi autour d'elle-même. Elle fait à la fois une rotation et une translation. Donc une rotation et une translation. Et donc, c'est comme ça qu'en faisant la rotation, elle va faire la rotation pendant 365 jours. Ah, donc il a fait son tour complet. Mais à une vitesse, à une très grande vitesse. Alors elle tourne aussi autour d'elle-même, et en tournant autour d'elle-même, et mais c'est clair que c'est comme ça qu'il y a des hémisphères qui vont se retrouver face au soleil, d'autres hémisphères qui vont se retrouver non pas face au soleil, et c'est comme ça que nous avons la nuit et que nous avons les jours. Amen. Amen. Et alors, et nous savons aussi, j'aime Frère Branham parce que la science enseigne, mais lui aussi l'enseigne. Amen. Parce que Dieu est le véritable enseignant. Amen. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Le soleil, quand Dieu l'a créé, je vais juste anticiper un tout petit peu là. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, Frère Branham dit, il y a des années qui ont passé, il n'y avait rien eu. Amen. Les années ont continué, il n'y avait rien eu. Et puis les années ont continué. Un atome a commencé. Un atome. Et puis, des molécules. Et puis après, et ça a commencé à tournoyer. Et puis, il y a eu une boule qui est sortie. Ça, c'était le soleil. Et dit, de ce soleil, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous savons, tout le monde, qu'il y a déjà étudié un petit peu le soleil, nous savons qu'en fait, à l'intérieur, là-bas, il y a toujours des mouvements. Il y a des mouvements, il y a une émanation des rayonnements là-bas, il y a une énergie incroyable qui sort là, d'une manière permanente. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Frère Madame dit, là, ici, dans l'énergie d'ici, il y a un morceau qui est sorti ici. Qui a commencé à tournoyer, et puis il a tournoyé pendant des millions d'années. Et puis après, Frère Branham dit, ces morceaux faisaient une chute libre. Et continuait à tournoyer, et puis Dieu lui a dit, stop, arrête-toi ici. Ça, c'est des météores. Et alors, je sais qu'en fait, vous regardez un peu quelques films où on montre des météores, où on montre, je ne sais pas comment on appelle encore ce genre de films, mais là, bon, alors, Dieu lui a dit ici, stop, et une masse est restée là, dans cette position-là. La puissance de la parole de Dieu
avait décrété que la lumière soit, la lumière est sortie, il s'est détaché un morceau. Et le morceau est allé, et le morceau a été suspendu par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'après tout, nous sommes suspendus nulle part ici. Oui, oui. Vous savez ça? Oui. Nous sommes suspendus oui. dans l'espace. Alors, on va dire comme ça dans l'espace. Oui, oui. La Terre est une masse suspendue dans l'espace. Amen. Amen. Alors, après, quelques années sont passées. Alors, l'autre morceau est sorti. Et a continué. Après, Dieu a dit stop. Amen. Et ça a arrêté là-bas. Et c'est peut-être la lune. Ouais. Et puis les autres morceaux ont continué comme ça, à se détacher. Et puis on a eu des étoiles qui se sont formées. Amen. Des étoiles. Et puis se sont formées, plusieurs étoiles se sont formées. Mais toutes ces boules qui se sont détachées sont sorties du soleil et sont dans une position par rapport au soleil. Amen. Donc, tout va dépendre dans quelle position se trouvera une de ces boules par rapport à nous qui sommes là. Si, alors, nous sommes dans la boule ici qu'on appelle la Terre, si je suis ici, et comme on sait qu'elle tourne, si elle va tourner, elle va se retrouver dans une position qui est dans une position où je ne suis pas face au soleil. Là, je suis dans l'obscurité, dans les noirs ici. Et comme ça, chaque hémisphère de la Terre va se retrouver comme ça, différemment. Et c'est comme ça que nous sommes éclairés. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et non seulement ça, mais quand vous regardez, ces étoiles vont se placer dans une certaine position où les étoiles vont faire ce qu'on appelle une constellation. Une constellation d'étoiles. Et cette constellation d'étoiles va donner des figures que nous connaissons. Amen. Va donner, et c'est comme ça que la première Bible, ce qu'on appelle la première Bible, qu'on appelle les zodiaques, a été écrite comment? C'est juste en observant, hein? Dieu a placé tout ce qu'il a placé dans la nature. Et là, les gens, quand ils observent, donc en fait, on voit Dieu, la description de ce que Dieu a fait à travers ça. Donc, ça, c'est les zodiaques. Et donc, ces étoiles forment des constellations. Et ces constellations forment certaines figures. On commence, il y a 12 constellations. Amen. Que Frère Branham dit, la première qui est la Vierge, Amen. Qui typifie, qui parle de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la dernière qui est le lion, qui Amen. Parle de la seconde venue du Seigneur. Amen. Et frère, et vous pensez que ces choses vont comme ça se faire par hasard et c'est le hasard qui a placé toutes ces choses dans la nature? Non. Il y a un Dieu qui est derrière toutes ces choses. Amen. Il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Il y a une puissance qui est derrière toutes ces choses. Oui, 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 et cette oui. puissance-là s'appelle Dieu. Amen. 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 Et donc, ce que je voulais dire ici, c'est que si la lune, cette boule qui se trouve ici, et nous savons que le soleil, c'est quelque chose qui est une source de lumière qui émet sa lumière propre. Cette lumière qui sort du soleil, un jour, quand on se trouve dans la nuit, dans la zone, comme nous sommes dans la zone non éclairée, et que les rayonnements du soleil vont aller frapper la lune, et alors il y aura la réflexion de la lumière, de la lune sur la terre, sur nous les êtres humains, et alors nous serons éclairés. Amen. Vous comprenez? Amen. Et c'est ce que, évidemment, dans la Bible, le soleil, parce qu'on parle de la femme. Amen. Amen, amen. Et donc, le soleil, c'est le grand Jéhovah, et la lune, c'est l'église, c'est l'épouse. Et donc, nous savons que pendant la nuit, quand il n'y a plus de lumière du soleil, il y a un astre qui a été placé là pour réfléchir la lumière du soleil. Et cet astre s'appelle la lune, et cette lune s'appelle l'église. Et donc, la lune n'a pas de rayonnement, n'a pas
d'énergie propre, n'est pas une source de lumière propre, mais la lune est là pour refléter la lumière du soleil. Amen. Mais il faut alors que la lune se trouve dans une position où elle reçoive ses rayons. Oui. Vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Amen. Frère, amen. Vous ne pouvez pas. Je vous mets au défi. Il n'y a personne qui puisse produire la vie de Dieu si elle est éloignée de Dieu. Non, frère. Amen. Et nous savons que c'est le soleil qui doit nous impressionner aujourd'hui. Pour que nous puissions produire la vie que Jésus-Christ nous demande ici. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et il faut que tu sois en présence du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand Jésus dit, il faut enlever toutes ces choses dans votre maison. Oui. Il faut repousser tout cela. Oui, oui. Parce que tout cela, ça, c'est un obstacle. Oui. Amen. 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 Les canaux sont bouchés. Et on empêche aux eaux de circuler. Amen. Il faut que nous puissions nous déboucher ces canaux. Amen. Et rester constamment dans la présence du Saint-Esprit. Amen. De manière à ce que nous puissions refléter la lumière du soleil. Amen. Et le soleil n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous ne pouvons pas y arriver autrement. Il faut que nous soyons juste dans la présence du soleil. Frère, comment est-ce qu'une personne qui toute la journée ne prie pas? Frère, tu peux parler de mystère et tout ce que tu veux. De toute façon, est-ce qu'on voit la réflexion du soleil? C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on voit la réflexion du soleil? Si le soleil ne renvoie pas, on ne voit pas le reflet de la lumière du soleil, c'est que alors, Dieu demande, bon, Seigneur, c'est comment est-ce que je dois me positionner ici? Je demande comment est-ce que je vais me positionner ici? Hein, pour que je sois vraiment au contact du soleil, pour en être véritablement un reflet. Amen. Amen. Donc, maintenant, en ce moment-là, la lumière que tu vas refléter, mais ça ne sera pas la gloire de la lune, mais ça serait voler la vedette au soleil, quand même. Amen. Amen. Je sais que je me réjouirai d'être dans la lumière. Je sais que je me réjouirai que Dieu ait pu trouver faveur auprès de Dieu, pour que je sois la personne qui reflète cette lumière, mais toute la gloire reviendra au soleil. Et le roi soleil, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant que Jean ait dit. Non, il dit, moi je ne suis pas la lumière. Je suis venu ici pour rendre témoignage à la lumière. Et quand Jésus dit que votre lumière luise, en fait, il voit alors en ce moment-là que l'homme... Écoutez, je vais vous lire ça. Jean chapitre 1. Prenez Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Est-ce que vous allez bien? Amen. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Nous croyons ça? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, quand je vous dis toutes choses, considérez toutes choses. Amen. Considérez, toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 Qu'est-ce qui est la lumière? La vie. Amen. La Bible dit c'est la vie qui est la lumière des hommes. Amen. En elle, dans la parole était la vie. Ça veut dire que nous venons, quand on vient en présence de la parole de Dieu, c'est pour rien d'autre que c'est pour avoir la vie. Amen. Amen. Parce que c'est en elle que se trouve la vie. Amen. Et c'est la vie qui maintenant devient la lumière des hommes. Amen. Dis-moi, si tu sais, tu peux rester avec avec quelqu'un. Bon, nous les frères, j'ai fait beau. Imaginez si j'ai dit à un enfant, tu dois toujours travailler.
Mais moi, tous les jours, je me lève, je dors. Vous comprenez ça? Mais tu dois toujours travailler, il faut travailler. Mais tous les jours, quand je me lève, je dors. Mais il sera perdu, le pauvre gamin. Amen. Mais quand il voit faire ça, c'est plus que la. C'est ça la véritable lumière. La vie. Vivez les choses. Et vous allez gagner les gens sans pouvoir parler. C'est comme la Bible dit. Une femme peut gagner son mari sans la parole. Hein? Sans parler. Il dit, mais je regarde. Voilà comment elle agit. Alors en ce moment-là. Vous voyez, frère Branham donne l'exemple de. Moi, vous pouvez attendre les mystères et les mystères et les mystères. Commencez d'abord par là. C'est le ABC. Quand vous avez Dieu en vous, c'est plus que tous les tonnerres. Amen. 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 Il dit, il y avait une femme qui avait un mari. Et le mari croyait vraiment que sa femme était une chrétienne. Et puis il avait dit à ses amis, aujourd'hui nous allons faire une sortie. On revient à la maison ivre. Et puis, bon, alors vous allez voir, aujourd'hui vous allez voir une vraie femme. Hein? Amen. Ils sont rentrés à la maison. Tout ce qu'elle avait préparé, oh, boum. On a tout jeté par terre. Hein? Est-ce qu'elle s'était fâchée? C'est pas fâchée, hein? Hein? Non. Bon, il était dans une grande douceur, en fredonnant des cantiques, elle avait tout ramassé, et puis on a dit normal. Mais ça, vous savez, la psychologie ne peut pas donner ça. Non. Il n'y a qu'une seule personne qui peut donner ça, c'est Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il y a des choses qui dépassent la psychologie, parce que la psychologie va dire, bon, et que c'est quoi, ils vont aller, ils vont renverser ça. Il dit, quand vous êtes deux personnes dans une même maison, bon là, c'est toujours la stratégie. Ça, c'est, je vous dis, ça, c'est ce que la psychologie enseigne. Qu'en fait, d'une manière inconsciente, les psychologues disent, d'une manière même inconsciente, il y a toujours la stratégie qui se met en place pour montrer, qui va montrer qu'il est plus fort que l'autre et tout le reste. Mais ça, ce n'est pas l'enseignement biblique. Vous voyez, la Bible va t'enseigner comment alors en ce moment-là. Parce que, vous savez, vous pouvez avoir un mari le plus inconverti, une femme la plus inconvertie. Tu peux, par ta prière et par ta relation avec le Seigneur, changer la personne. Amen. Montrer la relation que tu as avec le Seigneur. Aller dans la présence du Seigneur, vous voyez. N'entrons pas dans la stratégie. Amen. Donc, en elle, dans la parole, se trouve la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Amen. C'est la vie qui éclaire les hommes. Nous voulons aujourd'hui, quand nous allons faire notre publicité ici, du Seigneur Jésus-Christ, frère Branham disait qu'en fait, la publicité a de la valeur si tu dois apporter quelque chose de différent. Amen. 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 Une publicité... Si Coca-Cola, tu viens aujourd'hui, tu commences à faire la publicité Coca-Cola et tu dis toujours la même chose qu'on a toujours entendu. Bon, les gens vont dire, mais ça on a déjà entendu. Il n'y a rien de nouveau. Il ne nous apprend rien. Mais ici, un enfant de Dieu, ce que ce message dont de la fin nous a apporté, apporte une autre facette de Jésus-Christ. Amen. Apporte une autre publicité et quelque chose qui va donner envie aux gens. Comme la Bible disait, vous êtes le sel de la terre. Amen. Le sel a le pouvoir d'attirer les eaux. Mais tu attires par ta publicité que tu fais au Seigneur Jésus-Christ en donnant un nouveau visage au christianisme. Amen. Et ça, c'est en restant tout près du soleil et dans les rayonnements. Amen. 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 Est-ce que vous allez bien? Amen. Bon, alors, donc, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Je vais sauter ça au verset 10. Il dit, elle était la lumière du monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est là où Dieu veut nous faire arriver. Parce que quand on arrive à ce point-là, lesquels sont nés, non pas de la volonté de l'homme, c'est non pas de la volonté de la chair, mais de la seule volonté de Dieu. Ça, un enfant de Dieu qui est dans cette position-là, voilà, il est au point de départ pour pouvoir être en position de refléter la lumière. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. C'est ça. Donc, les œuvres, comme disait Frère Branham, il y en a un qui dit, nous sommes sauvés par la foi. Bon, alors Jacques va nous dire quelque chose d'autre. Nous pouvons progresser vers Jacques? Amen. Pour écouter un peu Frère Branham ici? Amen. Alors, donc, je relis un peu ça pour vous rafraîchir mémoire. Donc, Frère Branham disait ceci au paragraphe 32 donc, de la prédication, que votre lumière luise. Il y a deux endroits différents qui parlent de la justification. L'une d'elles était Paul et l'autre était Saint-Pierre. Il dit Paul justifia Abraham par la foi et Pierre justifia par les œuvres. Et Frère Branham dit ceci, Pierre était justifié par ses œuvres. Paul était justifié par la foi. Maintenant, ils ne se sont pas contredits. Ok, donc la prédication est là. Alors, donc, je vous disais qu'en fait, c'est de Jacques qui va s'agir ici. Nous allons prendre avec moi l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 2. Verset 14. Alors il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? Il dit, la foi peut-elle les sauver? Bon. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Là, vraiment, ils rentrent dans les choses de tous les jours. Parce que l'évangile, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire. À quoi cela sert-il? Vous comprenez ça? Amen. Mais c'est justement, même les gens qui ont un peu d'humanité peuvent arriver à faire ça. Mais à combien plus forte raison un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit? Amen. Tu vois ton frère qui arrive, qui vient chez toi. Bon, j'ai faim. Ou tu vois quelqu'un qui a faim. J'ai pas de vêtements pour m'habiller. Et tu dis, oh, ben, que le Seigneur te bénisse, tu peux aller en paix. Et puis tu rentres dans la maison, oh Dieu, toi qui as envoyé, oui, Abraham, en ce temps de la fin, nous avons reçu un puissant message. Mais ton puissant message, il est compliqué. Hein? Ton puissant message, là, il est compliqué. Nous voulons un puissant message qui produise la vie. Amen, 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 amen. Il n'a pas à manger. Donne-lui à manger si tu en as. Et nous sommes dans un pays où tous les foyers jettent beaucoup de nourriture. Oui. On jette beaucoup de nourriture. On s'encombre même parfois peut-être de vêtements ou des histoires qui ne servent pas. Mais regardez un peu là où quelqu'un peut être, quelqu'un qui est dans le besoin. Ça veut dire qu'en fait, même Jésus, quand il est venu sur la terre, bon, il a prêché, mais quand les gens avaient faim, il a dit, fais-les asseoir.
Et il leur a donné le pain que vous mangez tous les jours ici. Hein? Fais-les asseoir. Et on a distribué le pain, même si ça, ça parlait, ça symbolisait la parole de Dieu. Mais ils ont mangé du pain. Ils ont réellement mangé du pain parce que le lendemain, quand ils sont partis, quand le maître a traversé, et ils sont allés là-bas, ils sont allés jusque-là. Et Jésus leur avait dit, mais non, vous me cherchez, c'est pas parce que... mais vous me cherchez parce que hier vous avez mangé. Hein? Hein? Donc, il leur avait donné à manger. Hein? Et toi aussi. Bon, on ne cherche pas Dieu pour des intérêts matériels. Parce que c'est trop ridicule. Ce que nous avons besoin ici, c'est de la vie éternelle. Hein? Bon, là... Je vais aller à Gaparo Tabernacle parce que là, les frères sont généreux. Bon, votre générosité peut attirer aussi les gens. Il faut le faire. Hein? Mais disons qu'en fait, quelqu'un qui viendrait comme ça ou qui resterait à l'église pour un motif comme ça, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Il faut trouver un équilibre. Donc, il faut trouver un équilibre. Nous sommes ici pour la vie éternelle, mais celui qui a la vie éternelle doit exprimer cette vie à l'extérieur par des choses concrètes et des choses de la vie. Amen. Amen. Parce que c'est étonnant. Vous allez dire, mais frère Branham parle de la prédication, que votre lumière, Louise, lui parle de la foi et il compare les différents points de vue qui ont été apporté dans les Écritures, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Mais ça a certainement à voir. Amen. Dieu ne parlait pas pour rien. Amen. Amen. Donc, et c'est ce qu'il dit. Donc, je continue ici à lire Jacques. Au verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi qui est, de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Amen. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Vous comprenez la foi qui est inutile? Parce que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent même quand on parle de lui. Ça veut dire que la foi, ou le fait que les démons croient que Dieu existe, mais cela ne leur apporte pas la vie. Ils n'ont pas la vie en eux. Et c'est que Dieu a besoin que vous compreniez ce que nous devons avoir la vie en nous. C'est la chose la plus importante. Et quand la vie est là, la vie de la parole et de l'évangile doit transparaître à l'extérieur. La lumière qui est à l'intérieur de la vie qui est à l'intérieur de vous, doit se manifester à l'extérieur par la foi et les œuvres de la foi. Amen. Juste pour ne pas juste dire simplement, je crois. Je crois. Et si tu crois, bon, montre vraiment que tu crois. Amen. Quand la Bible déclare, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Frère, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose, nous sommes en repos. Et ne venez pas me persuader demain qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses ici, il y a ça, il y a la maladie, il faut m'agiter. Non, frère. Je suis en repos. Amen. Et j'aimerais que tout le monde le sache. Amen. Amen. Et je veux qu'il en soit la même chose pour vous. Parce que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Celui ton abri, celui qui te protège. Amen. Parce que l'abri sert au moment de la tempête. Amen. Vous savez, l'abri, quand on construit ses abris, l'abri à l'arrêt de bus, l'abri est là. Quand la tempête viendra, et que la tempête, quand le vent viendra, quand la pluie viendra, quand le mauvais temps viendra, je suis sous l'abri. Alléluia. Je suis à l'abri. L'abri de qui? Pas l'abri des hommes. C'est l'abri du Très-Haut. Amen.
Il se repose à l'ombre du tout puissant. Il y a un repos. Le repos doit offrir la paix. Amen. Amen. Le repos doit offrir la paix. J'aimerais que les enfants de Dieu, quand ils partiront, quand ils se promèneront, partout là où ils se promènent, ils savent, tu peux fredonner, rappeler à ton esprit ces souvenirs de la parole de Dieu qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, mon corps, mon âme, mon esprit, tout mon être, je suis en repos. Amen. Quoi que l'on dise. Amen. C'est ça, frère. C'est pas, je me repose. Hein? Est-ce que papa est là? Est-ce que maman est là? Oui, à un certain moment, il faut décoller de papa et maman est là. Pour, parce qu'il y aura des endroits où tu seras seul. Papa ne sera pas là. Maman ne sera pas là. Tu seras seul dans la vie, mais il y a quelqu'un qui sera toujours là. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera toujours là pour te protéger. Amen. Amen. Il dit, tu ne craindras pas. Tu ne vas pas craindre. Amen. Amen. Il dit, tous ceux qui volent pendant la nuit, là. Amen. Il dit, quand tu as pendant la nuit, je ne sais même plus comment est-ce qu'il disait ça. C'est dans le psaume 91. Mettez-moi un peu le psaume 91. 91, je crois. Mettez un peu ça. Alors, descends un peu. Encore. Ah, attends, remonte encore un peu, parce qu'il y a eu quelque chose d'intéressant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Et descends encore un peu. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Mais nous ne sommes pas loin. Nous y sommes. Amen. C'est lui qui délivre ce qui Amen. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Quand la peste est en train de ravager, je sais que c'est l'Éternel qui me protège. Et je sais que quand le danger viendra, celui qui me délivrera, c'est lui. Et je le dirai fort, haut et fort, à tout lieu, à tout temps. Et n'essayez surtout pas de me persuader que les choses seront différemment. Non. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui bouillonne en moi, qui dit que c'est la vérité. Amen. 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 Il te couvrira de ses plumes. Amen. Il va déployer ses plumes pour te couvrir. Amen. Vous savez, comme la mer poule. Amen. Quand les dangers arrivent et quand la pluie tombe, alors la mer aigle ou la poule va déployer ses plumes et puis les petits poussins vont venir en son sein, Amen. Sous ses ailes. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et nous avons l'aigle Jéhovah. Amen. Il te couvrira de ses plumes. Oui. Alors quand les eaux vont venir, les eaux ne font que ruisseler. Ruisseler au-dessus. Amen. Amen. Il te couvrira et dit de ses plumes et tu trouveras un refuge Amen. Sous ses ailes. Amen. Un refuge. Amen. Comment est-ce que vous pouvez sortir d'un endroit si précieux? Jésus-Christ est là. Amen. Amen. Et il a dit, parce que je vis, vous aussi, vous vivrez. Amen. Aussi longtemps que Jésus vivra, moi aussi, je vivrai. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Vous voyez? Et c'est là ce que j'aime le Seigneur. Parce que il a traité une alliance inconditionnelle avec Abraham. Hein? C'est une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il est fidèle à sa promesse. S'il a dit, je te protégerai, ça sera toujours comme ça. Amen. Sa fidélité ne nous décevra jamais. Amen. Amen. C'est un bouclier et une cuirasse. Amen. Descends encore un peu. Tu ne craindras ni la terreur, ni les terreurs de la nuit. Ni les flèches qui volent le jour. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres.
ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen, 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 amen. Amen. Et je crois qu'en fait, nous lui avons fait confiance. Je sais que nous lui avons fait confiance. Parce que la preuve est là. Amen. Amen. La preuve est là. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Alors, donc je reviens dans mon texte ici dans Jacques. Verset 19. Bon, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? J'aime bien les cheminements dans les Écritures. Parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Abraham a été justifié en faisant attention à ce que l'apôtre Paul a positionné les choses aussi dans l'ordre. Vous voyez? Il était incirconcis, il a été justifié. Mais il a progressé encore plus loin, il est resté justifié. Amen. Parce que la foi qu'il avait eue en Dieu a produit la circoncision en lui, il a produit le Fils ici, et là, les œuvres de la foi continuent à se manifester, c'est-à-dire que ta foi doit te conduire jusqu'à ce que tu arrives à vaincre. Et c'est une foi qui est victorieuse, produit les œuvres de la foi. Tu ne peux pas rester là, frère. Oh, je suis malade, je reste là. Et je... Frère, une foi victorieuse doit produire les œuvres de la foi. Quand je dis Dieu protège, cette foi produit les œuvres. La protection de l'Éternel est effective au milieu de ses enfants. Amen. Et donc, que dit-il encore? Abraham, notre père, 23, ainsi s'accomplit ce qui est dit, ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Amen. Je crois que nous serons tous des amis de Dieu, n'est-ce pas? Bon, alors, maintenant, j'ai quand même interrogé l'apôtre Paul. Parce que je lui ai dit, je me suis dit, bon, tu as dit, Dieu nous impute, notre foi nous justifie. Parce que si les œuvres que nous faisons étaient la chose qui nous était comptée comme justice, alors ça devient quelque chose qui nous est dû, parce que nous avons produit les œuvres. Est-ce que tu peux encore parler, Paul? Parce que Jacques a dit quelque chose ici. Est-ce que tu peux encore parler? Alors prenez avec moi Éphésiens, et vous allez voir que tout est complet dans la parole. Amen. Éphésiens au chapitre 2. La Bible dit, vous étiez morts par vos enfants sur vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais voici là où quelque chose s'est passé. Amen. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, amen, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il y revient, il persiste. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait ensemble, asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Car c'est par grâce que nous sommes, que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Amen. Amen. Mais c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne
verset glorifie. Car nous sommes, écoutez ça bien, parce que ça c'est une pépite. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, Amen. Afin que nous les pratiquions. Alors, maintenant, moi je vous dis que c'est lui, que le diable fasse ce qu'il veut faire, ce que Dieu a décidé arrivera. Amen. Amen. Et c'est là que je vais atterrir là pour terminer. Juste pour vous dire ce que Dieu a décidé, il n'y a personne qui pourra l'arrêter. Amen. Je veux simplement voir dans quelle disposition je dois être. Parce que Dieu a décidé quelque chose. Il a préparé les œuvres dès la fondation du monde. Amen. Afin que je puisse le pratiquer. Donc ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Alors qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que votre lumière luise. Parce qu'il sait qu'il a déjà tout préparé. C'est vrai. C'est Dieu qui a tout prévu avant que nous venions sur la terre. Amen. Comment a-t-il prévu et prédit les choses? C'est ça qui m'intéresse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut arrêter ce que Dieu a décidé? Non. Amen. Ça veut dire que même si tu trébuches, il va fermer tes pas pour que tu ailles de l'avant parce qu'il a tout prévu avant. Il a tout préparé par sa grâce. Amen. Il faut simplement que l'homme se trouve, il se trouve en bonne position. Et qu'il sache, parce qu'il a prévu, pour que c'est pas pour rien qu'il a sorti de ces grands soleils, hein, des météores, qu'il a placé par-ci, par-là, pour qu'il se retrouve dans une position de manière à refléter la lumière. Mais ça, il n'y a personne qui lui a demandé de faire quoi que ce soit. Hein. Personne n'est son conseiller. Il a fait les choses par lui-même et ce qu'il a prévu doit arriver Amen. Comme il a prévu. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc s'il dit que votre lumière luise, il a tout prévu, il a un moyen pour que cette lumière arrive. Amen. Je vais simplement par la foi rester là et lui dire, Seigneur, c'est Jésus lui-même qui a parlé. Ça, ce n'est même pas qu'il a parlé cela après. Même s'il avait dit par Pierre, Paul, et je sais que c'est toujours la parole de Dieu, mais ici c'est le maître lui-même qui dit. Amen. Je sais qu'il sait ce qu'il a prévu. Je sais qu'il a organisé les choses. Je sais qu'il a tout prévu. Il sait comment il va le faire. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est simplement de lui faire confiance. Amen. Amen. Et de voir dans quelle position vous devez être pour être véritablement le reflet de ces grands soleils. Amen. Parce que c'est ça. Amen. Si je me mets ici, là, non, je vais nous faire ombre. Il faut que je me tienne dans une bonne position pour pouvoir refléter. Vous savez, une surface qui doit refléter la lumière, il y a plusieurs choses. D'abord, la lumière qui vient pour qu'il puisse être reflété doit être d'abord en bonne position. Amen. Première chose. Doit être en bonne position par rapport à ça. Deuxièmement, vous ne pouvez pas sur une surface brillante déposer des objets, vous diminuez la capacité des réflexions de la lumière parce qu'il y a des obstacles qui sont placés au milieu. Oui, oui. Amen. Oui. Vous savez ça? Oui. C'est pour ça que Frère Branham il donne l'exemple de l'or. L'or est censé briller, mais quand on va aller extraire l'or, il y a beaucoup d'impuretés là-dedans. Il y a beaucoup d'impuretés. Alors, celui qui va travailler cet or, va mettre l'or au feu et va laisser bouillir cet or de manière à pouvoir le débarrasser de ses impuretés et il va travailler, donner des coups de marteau, travailler jusqu'à ce qu'il voit son propre visage se refléter. Amen. Amen. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais Dieu avait décidé sans le conseil de personne. Mmh. Il a dit qu'il y aura une église sans tache ni ride. Il n'y a personne qui pourra l'arrêter. Mmh. Amen. Amen. Il n'y a personne qui pourra l'arrêter. Donc, alors, écoutez ceci. Donc, dans cette prédication, toujours que votre lumière luise,
Frère Branham dit ceci. Donc, au paragraphe 32, donc la deuxième partie, et Pierre était justifié par ses œuvres. Il dit, Paul dit qu'il était justifié par la foi. Maintenant, ils ne se sont pas contredits. Et vous voyez bien qu'ils ne se contredisent pas. L'un et l'autre, ils considèrent cela sous deux angles différents. Amen. Sous deux angles différents. Et Paul parle de la foi d'Abraham. C'est ce que Dieu voyait dans Abraham. Mais Pierre parlait de ses œuvres qu'il exprimait par sa foi. Amen. Vous savez, il y a des choses. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, il n'y a que Dieu seul qui voit. Amen. C'est pour ça que si tu sais que tu es en ordre avec Dieu, tu ne t'occupes pas de ce que les gens vont dire. Amen. Mais si tu n'es pas en ordre avec Dieu, ne te contente pas du témoignage des hommes. Amen. Amen. Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Mais les hommes, ils n'ont pas grand, ils n'ont pas capacité de voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'il avait dit, même à Rahab, la prostituée, il a dit, bon, le fil cramoisi, là, il faut l'accorder, il faut l'attacher ici. Hein. Vous, ici en Égypte, quand vous allez immoler l'agneau, il faut que le sang soit appliqué dehors, ici, pour qu'on le voie. Quand l'œuvre de la grâce se passe à l'intérieur, les hommes voient ce qui se passe à l'extérieur. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes. Amen. La lumière, une personne qui est en présence de Dieu, qui est en présence du Saint-Esprit et dont le Saint-Esprit travaille à l'intérieur, qui est né de nouveau, ce que les gens voient à l'extérieur, c'est ils voient la douceur, ils voient la bonté, ils voient la longanimité, ils voient la tempérance, ils voient des choses, ils voient comme nous disait Jacques, bon, quelqu'un a faim, tu lui donnes à manger. Ce que ton cœur te parle, et tu sais que ça, c'est Dieu qui me parle. Amen. Ne résistez pas à la voix de Dieu quand Dieu vous parle. Amen. 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 Quelque chose qui se passe à l'extérieur. Il dit que votre lumière luise pas devant Dieu, devant les hommes. Amen. Que votre lumière luise devant les hommes. Que votre lumière luise devant les hommes. Et j'aimerais que quand vous partez sur le chemin, que ce parole-là retentisse. Seigneur, je sais qu'il faut qu'une œuvre de la grâce ait lieu à l'intérieur, mais à l'extérieur, les gens doivent voir quelque chose qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Amen. Amen. Que Dieu m'a changé. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais. Amen. 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 Je ne suis plus ce que j'étais. Vous savez, quand je disais ici tout à l'heure, entendre quelqu'un qui a l'humilité de dire « j'ai eu tort », ça c'est un enfant de Dieu qui le fait. C'est pas qu'après, quand tu es né de nouveau, tu vas jamais trébucher. Même enfant de Dieu, il arrange tout. Il remet tout en ordre. Il va de l'avant. Hein? Un enfant de Dieu n'est pas... Il ne discute pas. Il reconnaît quand il a tort. Hein? Et c'est dans l'humilité, dans la simplicité, il avance. Et c'est comme ça que nous nous purifions et que nous restons sans cesse dans la présence de Dieu. Et que nous avançons, nous allons de l'avant. Amen. Alors, donc... Et Frère Branham a dit, donc, il a donné plusieurs exemples. J'avais donné quelques exemples le vendredi, je vais vous donner le dernier et je termine là. Prenez avec moi Élie. Élie, c'est une prédication qui a été prêchée en 53. En 53. Les 18 du 10 en 53. Frère Branham dit ceci au paragraphe 35. Je pourrais dire ici à cette ampoule-là ce soir, si on pouvait parler à une ampoule et que l'ampoule pouvait avoir des oreilles pour entendre. Hein. Je pourrais dire à cette ampoule ce soir, pourquoi brilles-tu?
elle me dirait, si elle pouvait parler, elle dirait, frère Branham, ce n'est pas moi qui brille. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Amen. Frère Branham dit, l'ampoule me dirait, mais ce n'est pas moi qui brille. Je ne suis qu'un fil et une ampoule ici. Mais il y a quelque chose qui me traverse. Amen. 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 Il y a quelque chose qui me traverse. C'est cela qui me fait briller. Amen. 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 Et c'est ça chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas s'empêcher de croire que c'est Dieu qui fait ces choses. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Il en est ainsi de chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas s'empêcher de croire que c'est Dieu qui fait ces choses. Parce que la puissance de Dieu a à partir d'une grande dynamo. Amen. 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 Comme j'aurais envie vraiment de parler de cette dynamo. Il y a une grande dynamo qui produit de l'énergie. Amen. Et cette grande dynamo se trouve dans l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Cette grande dynamo qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu qui est né de Dieu. Cette grande dynamo qui est là, qui produit de l'énergie. Alors, l'énergie a telle ampoule là-bas. Il y a simplement un ensemble de connexions qui ont été faites. Et frère Branham dit, on ne peut pas alors demander à un plombier de venir d'aller faire l'installation de l'électricité. Amen. Parce que ce n'est pas son domaine. Si la connexion électrique est faite d'une manière correcte, l'ampoule, les fils qui sont là, l'ampoule est placée là. Mais il faut que, tout simplement comme la dynamo, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, travaille et traverse le fil. Son énergie va arriver à l'ampoule. L'ampoule doit briller. Amen. Amen. L'ampoule doit briller, frère. Nous sommes là, l'ampoule, tout simplement pour briller. Amen. Mais il y a une énergie qui est là, qui traverse. Amen. Et j'aimerais que tous les enfants de Dieu savent qu'il y a une énergie qui est de milliers et milliers de puissances, qui est la puissance du Saint-Esprit, amen, qui travaille dans l'église maintenant, amen, et qui est là pour allumer la lumière, amen, la lumière de Jésus-Christ. Amen. Celui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, amen, c'est le Saint-Esprit, amen, il n'a pas de concurrent. Amen. Amen. Et ce n'est pas étonnant que Jean avait dit, moi je ne suis pas la lumière. La lumière, celui, amen, je suis venu pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Et il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Amen. Il y a quelque chose qui traverse le fil électrique. Amen. Afin que la lumière qui est là, l'ampoule qui est là, puisse donner la lumière. Amen. Jésus-Christ, amen, il est le comparable. C'est de lui que j'aimerais vous parler. Amen. Amen. Alors il dit ceci, amen, écoutez frère Branham. Il ne peut pas s'empêcher de croire que c'est Dieu qui fait ces choses. Amen. Parce que la puissance de Dieu a, à partir d'une dynamo là, un générateur, amen, qui tourne dans l'être intérieur. Amen. Amen. Est-ce qu'il vient de, il vient de quelque part ailleurs? Non. C'est en vous, frère. Amen. C'est en vous. De l'être intérieur de cet homme, il doit briller à l'extérieur par un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Il dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'un brisement à l'ancien mode. Amen. C'est ça, frère. Amen. La chose est là, elle est aussi simple, frère. Oui. Il y a des choses qui sont là, qui font obstacle à la parole de Dieu, oui, qui font obstacle à l'évangile. Combien nous avons besoin juste de nous tenir là dans l'humilité. Parce que la puissance, le dynamo est là. Le générateur est dans l'église. Depuis la Pentecôte, quand Jésus, quand il partait, il a dit. Merci Seigneur. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Quand il est revenu à Pentecôte, il est revenu, il est dans l'église jusqu'aujourd'hui. Amen. Jusqu'à ce que l'église aille dans l'enlèvement. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit est là. Et c'est ça, c'est celui qui est au-dedans de moi. C'est celui-là qui parle. Amen. Amen. C'est celui. Écoutez, frère Branham dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'un brisement à l'ancienne mode. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un nettoyage.
ce dont nous avons besoin, non pas des blanchissements à la chaux, mais des lavages qui rend blanc. Amen. 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 C'est ça. Amen, nous n'avons pas besoin d'un évangile artificiel. Amen. Vous voyez, nous avons juste besoin d'un brisement. Amen. Nous avons besoin, comme je disais ici le vendredi, Dieu nous avait dit, vous retournez dans votre maison. Vous gardez dans votre maison ceux qui ont des alcools. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des alcools à la maison. Amen. Amen. Il ne peut pas avoir des alcools à la maison. Vous qui avez... il disait, vous qui avez, si vous avez des objets de protection, il a dit, il faut tout brûler. Amen. Et j'avais dit vendredi, vous devez, tout ce que vous avez, si vous avez des objets que vous avez ramenés de votre village pour vous protéger, comment est-ce que vous allez dire, je suis sous l'abri du Très-Haut, si vous avez vous-même encore des affaires qui vous protègent? Il faut ramener tout cela pour qu'on puisse le brûler. Amener tout cela chez le pasteur. Amen. 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 Toutes ces choses-là, il faut les ramener chez le pasteur pour qu'on puisse les brûler. Vous voyez? Vous devez retourner à la maison. Il dit, comme il disait ici, lorsqu'on rebâtit, on reconstruit l'hôtel, on a besoin de l'unité. Il faut qu'il y ait l'unité. Et il faut que tout le monde soit en faveur de la recherche de l'unité. Amen. Parce que Dieu ne travaille pas quand une personne va à gauche, l'autre va à droite. Dieu a besoin que vous ayez une communion d'esprit. Que chaque personne, avec beaucoup d'humilité, qu'elle puisse tout simplement se mettre en position qu'il faut. Vous voyez? Donc, il faut que chaque... Il disait vendredi, la malice ne peut pas exister au milieu de nous. Amen. Vous voyez? Toutes ces choses, il faut chasser, il faut enlever toutes ces choses du milieu de nous. Vous voyez? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Amen. Il a un esprit bien disposé. Il est toujours là, prêt à attendre et en se disant, Seigneur, que dois-je faire? Où est-ce que tu veux que je sois? Dans quelle position veux-tu que je sois? Seigneur, quelle est ta volonté? J'aimerais exprimer ta volonté. Je suis là ton fils. Merci. Tu veux que la lumière luise. Et tu as dit, ta lumière doit luire. Amen. Je sais que le Saint-Esprit est en moi. Tu es là au long de moi. C'est pas quand tu dis, mais que ta lumière luise. Je sais que toi et moi, nous sommes devenus un. Alors je sais que c'est toi le grand générateur, le Saint-Esprit est en moi, qui doit produire cette lumière à l'extérieur. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Vous et moi, nous sommes un. Voyez? Alors, et vous allez produire la lumière de Christ. Mais ce n'est pas possible que ça se fasse autrement. La lumière doit paraître. Et Frère Branham continue ici en disant, ce dont nous avons besoin, c'est d'un brisement à l'ancien mode. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un nettoyage. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un blanchissement à la chaux. Non pas d'un blanchissement à la chaux, mais d'un lavage qui rend blanc. Amen. Vous savez la chaux, comment on l'utilise? C'est la peinture. Ouais. La chaux, c'est la peinture. Ouais. On prend ça, alors on va prendre une petite cabane là où on met le poule, dans le poulailler, pour faire, évidemment, on prend la peinture, et puis on va mettre là, et puis la peinture va faire que, bon, l'abri de poule devient blanc. Non, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'une sainteté fabriquée. Amen. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est de la sincérité, du dedans de notre cœur. Et que cela nous brise de l'intérieur, afin que nous puissions refléter véritablement la lumière. Amen. Et donc il dit, c'est pas d'un blanchissement à la chaux, mais d'un lavage qui rend blanc. Et nous savons qu'il n'y a qu'une chose qui rend blanc, qui lave. C'est le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est le message de l'air. C'est la parole de Dieu. Il faut que nous soyons devant la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu nous lave. Il dit ceci, frère. Il dit, tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous débarrasser de ces choses. La Bible dit, rejetons tout fardeau qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard fixé sur l'auteur et le consommateur de la foi, Jésus. Que Dieu vous bénisse.